Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Leroy Merlin pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose qu'on découvre un petit peu les promos, l'univers déco, un petit peu tout ce qui nous intéresse. C'est parti. Écoutez, moi j'adore ce magasin pour la déco. Je trouve que ça peut donner des idées. Ils ont des articles qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc c'est très intéressant. Je ne sais même pas par où commencer. Allez, commençons par là. Regardez ces vases. Ils sont à 20 euros. Alors c'est un peu transparent. Je ne sais pas si vous voyez. C'est très sympa. À côté, on a la statue à 26. Et celle-ci, elle est à 20. Il y a des toucans ici. Ils sont à 27 euros. Et les coussins écailles à 17 euros. Sympa, non? Ah, le vase, il existe en verre aussi. Il est trop beau. Vraiment très beau. C'est 20 euros aussi. Hein. Si vous cherchez des rideaux particuliers, je pense qu'il y a vraiment ce qu'il vous faut ici. Le rayon, il est immense. Pour les prix, ça aussi, entre 20 euros le rideau et 45 euros en fonction de la qualité. Celui-ci, par exemple, il est à 30 euros. C'est un rideau tamisant. Vous voyez comme il est beau, le tissu. Ceux-là, ils sont à 12,90. Tiens, c'est même moins cher que ce que je viens de vous annoncer. On a ce modèle à 60 euros. Par contre, l'épaisseur, à mon avis, lui... il ne doit pas laisser passer le froid. Hein. Et le Lydia que vous voyez là, 1m40 par 2m80, il est à 30 euros. Ici, on a des jolis vases aussi à 10 euros. J'ai pas mis la bonne doudoune. On dirait un cosmonaute qui essaye d'attraper un truc. C'est terrible. Il y a un stand de rideaux occultants. C'est la gamme Dario. Ils sont occultants et thermiques à 30 euros au lieu de 40 euros. Donc là, on gagne 25%. Vous gagnez, voilà, vous économisez 3 degrés. Hein. Ce qui est sympa, c'est qu'il est un peu doré. Celui-ci, il tire vers l'argent. Il y en a d'autres qui sont plutôt marron, beige. 30 euros le rideau. Ça, ce sont des voilages. C'est la gamme Lime tamisant à 16 euros. Le voilage. Je ne vois pas d'autres couleurs. Peut-être qu'elles sont... Non, ça, c'est ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Ah non, pas du tout. Ça, c'est un Dario aussi, sauf qu'il n'est pas thermique. Si vous vous en foutez du thermique, vous avez le Dario en version voilage à 20 euros. C'est un prix promo aussi. Côté luminaire, il y a tout ce qu'il faut. Alors là, si vous aimez la déco naturelle, sachez qu'il y a forcément un truc qui va vous plaire ici. On va regarder si on trouve un prix. Alors, celle-ci, elle est à 30. Celle-ci est à 134. Et celle-ci à 30 aussi. La lampe, là, elle a un pied en céramique. Et là, c'est du... comment on appelle ça déjà? Raffia, non? Ouais, c'est du raffia. 68 euros. Elle est très jolie. Celle-ci avec les écorces, enfin le tronc, les branches d'arbres, oh là là, je vais y arriver, elle est à 55 euros. Et après, on a des tout petits modèles pour mettre sur une table de chevet, par exemple, à 35 euros, 45 euros pour celle-ci. C'est de l'osier avec un pied bambou, alors elle est un petit peu chère, elle coûte 169 euros. Mais elle est très originale, vous voyez là, il y a un côté noir et un côté naturel. Kalimantan, 44 cm de diamètre. Oh, alors ça c'est génial, regardez, à 80 euros, vous pouvez gérer l'intensité, elle coûte 80, celle-là est très jolie, et on en a une autre, celle-là je pense pas qu'on puisse la toucher, non, elle est à 170, mince, ça clignote. Vous voyez, ça c'est la lampe que je vous ai montrée tout à l'heure, qui présente dans ce qu'ils appellent un showroom, c'est impressionnant, une soirée chez Maison du Monde, là. Oh, elle est sympa la table, je sais pas si elle est à vendre, bah, regardez, il y a peut-être une table... des matières, décoration, non, il n'y a pas la table. Mobilier, non. Il y a la console qui est là, en tech. Il n'y a pas le prix. Oh, c'est dommage, elle est très jolie, elle fait 1m20 de largeur. Oh, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir le prix de cette table. Je cherche toujours une table ronde, je n'ai pas trouvé encore. C'est galère depuis le déménagement. Donc canapé, en fait, c'est pas à vendre, c'est juste un showroom qui permet d'exposer aussi bien les tapisseries que leurs coussins, leur textile et la déco, bien sûr. Les petites branches décoratives pailletées, vous avez celles-ci, les fougères, elles sont à 3,90. Celles-ci sont à 5,90 en doré ou en vert. Et pour les fans de gaze de coton, ils ont des plaids 1m30 par 1m80 à 50 euros. Ce sont les vases que je vous ai présentés tout à l'heure à 10 euros. Il y a ce modèle également à 10 euros en verre recyclé. Et les chandeliers, ils sont à 15. Là, ça c'est magnifique, ces petits cadres-là. Regardez. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils doivent être là. Les cadres un peu rétro, ça fait antiquaire. Ils sont à 20 euros. C'est le même prix, il y a 3 modèles. Et vous voyez au-dessus le scarabée qui est là, il est à 35.
Ah, c'est joli. Les lots de miroirs, là, ils sont vendus par 3, les 3 petits, à 50 euros. Ça pique un peu. L'horloge, elle est à 100 euros. Et le miroir, le grand miroir, là, il coûte 20 euros. Il fait 52 de diamètre. C'est plutôt correct, je trouve. Là, il y en a un autre de miroir. Vous voyez, il est 3D. Il coûte 18 euros, celui-ci. Il n'y a pas que des prix. Voilà, il y a de tout, en fait, en termes de prix. Et il y a du choix, surtout. Allez, je vous propose qu'on continue. Qu'allons-nous trouver? Ah, là, on arrive sur la peinture. Il y a de la peinture Ripolin. Pour murs, plafonds et boiseries, Rénov Express en blanc satiné, 10 litres plus 20% gratuit, 55 euros au lieu de 65. Voilà, si vous avez un projet de repeindre une pièce, ça peut être pas mal de prendre en considération les promos du moment. Regardez-moi ce miroir lumineux, le rêve, il fait 1m20 de largeur, 75 cm de hauteur, il coûte 275 euros. Il est bordé de LED. Hein. On va regarder si je peux changer l'intensité. Ah ouais, on peut changer si on veut des lumières. Ah, c'est cool. On peut l'éteindre aussi, hein, accessoirement. Il coûte 275 euros, je le trouve très sympa celui-là. Bon, là, on part sur une inspi salle de bain, c'est sympa pour donner des idées. L'ensemble que vous voyez là, c'est 1246 euros. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour 1246 euros? Parce que je vois 1825 ici. On a le meuble qui fait 1m35 de largeur, mais il n'y a qu'une seule vasque. Il y a la vasque en résine qui est comprise. Donc là, ça nous fait un ensemble à 520 euros. La baignoire, 1m70 par 75. C'est la baignoire sofa. Elle est assez design, elle est sympa. Donc celle-ci, elle coûte 319 euros. Le pare-baignoire, il est compris à 129 euros. Et il y a un WC suspendu à 280 euros. Juste là, au fond. Si on ajoute le miroir, celui-ci qui fait 1m20, il est canon aussi, il est à 309 euros. La colonne de bain, elle est à 230 euros, c'est celle que vous voyez ici. Et le mitigeur qui coûte 40 euros. Ça nous fait un ensemble à 1825 euros. Donc le miroir, la vasque, les toilettes, la baignoire et la colonne de baignoire. Ça, c'est une salle de bain qui fait 6 mètres carrés, pour vous donner une idée. On a une offre ici pour un meuble sous vasque. Wabi en chêne clair à 230 euros. Donc ça, c'est un 80 cm. Mais il peut être décliné en d'autres dimensions. 120 cm si vous voulez mettre deux vasques, par exemple. Et il y a d'autres coloris. Donc il y a chêne naturel, noir mat, chêne grisé. La vasque, elle est comprise. Hein, il n'y a juste pas le mitigeur. Là, celui qui est exposé, il coûte 65 euros. Et la colonne, si vous voulez la rajouter, la colonne, elle est à 155 euros. Mais bon, c'est une vasque en céramique. Moi, perso, je préfère les vasques en céramique. Je suis moins fan des vasques en résine qui tâchent, quoi, en fin de compte. Et le miroir LED qui est là, c'est le même principe que le précédent que je vous ai montré. Il est à 215 euros. Si vous aimez le plaqué chêne, regardez, il y a cet ensemble à 300 euros. C'est Madison, le modèle. C'est du vrai chêne, hein. Il est canon. C'est du 80 cm de largeur. La tour, si vous voulez l'ajouter, elle est à 139 euros. Et le miroir, il coûte 40 euros. Bon, l'ensemble est chouette. J'aime bien l'aspect bois, c'est apaisant, je trouve. Ah, ben, en parlant de bois, regardez, il y a plein d'accessoires là pour la salle de bain. Combien ça coûte? Le porte-savon bambou, il est à 5 euros. Le distributeur de savon bambou, il est à 8. Le gobelet, il est à 6. Ça, c'est un organiseur de tiroirs. Ça coûte 14 euros. C'est l'ensemble, hein, comme ça. Hein. Il y a un grand plateau ici et trois petits. Sympa. Il y a également les caillebotis, comme ceci. Ils font 64 par 40. Ils sont à 32 euros. Et je ne vous ai pas montré la poubelle bambou, qui est mignonne. Bon, elle est à 30 euros, donc encore heureux qu'elle soit mignonne. Ouais, c'est une 5 litres, mais elle est sympa, en design carré comme ça. Côté cuisine, il y a des trucs vraiment très sympas aussi. Je crois que c'est mon voisin qui a acheté sa cuisine chez Leroy Merlin. Il m'avait fait visiter quand il a emménagé. Ça, c'est le modèle Vienne Tokyo Chêne. Chêne ? Donc, il y a caisson, façade, charnière à 5400 euros. Il y a l'électroménager qui est fourni aussi pour le modèle exposé. Ah oui, donc c'est ça, c'est la partie chaîne est ici. Je me demandais pourquoi c'était... Donc électroménager compris pour cette cuisine, on est à 5300
376 €. Il y a le plan de travail, il y a tout ce qu'il faut. Et regardez, celle-ci, elle est juste canon. C'est le Helsinki blanc. Bon, après, il faut avoir la place hein, pour une cuisine comme ça. C'est 12 600 €. Le modèle exposé, bon là, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a la plaque induction, il y a la hotte, le lave-vaisselle. Il y a beaucoup de tiroirs, ce qui influe fortement sur le prix. Regardez la taille des placards. On a le micro-ondes encastré, bon, le four. Il doit y avoir le frigo d'ailleurs, c'est ça, non? Ouais. Ah, ça, c'est le genre de cuisine que j'adore. En fait, c'est une façade en verre trempé. Donc, pour nettoyer, c'est le tip-top. Plan de travail noir, c'est plutôt joli. Et il y a également beaucoup, beaucoup, beaucoup de rangements. Donc là, pour le modèle exposé, c'est 12 600 €. Mais bien sûr, une cuisine, c'est sur mesure. Donc, si elle est plus petite ou plus grande, le prix, il change totalement. Pareil, si vous prenez moins de tiroirs, ça revient moins cher également. On continue ? Le roi Merlin propose ici un kit dressing, le Topanga. 2 mètres de hauteur, 1,80 m de largeur, 50 de profondeur, à 99,90 €. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, on a deux penderies, on a deux tiroirs, un ici, un de l'autre côté. Puis après, il y a différentes cases de rangement. Le rideau, il est fourni, ainsi que la tringle hein, qui va avec. Si vous souhaitez changer de plan de travail, il y en a en bois d'acacia, lamellé et huilé, 2,50 m, 65 de profondeur, 2,6 cm d'épaisseur à 129 €. Ils sont beaux, hein, ils sont très très beaux. Voilà les jolis, ma vidéo du jour est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Prenez soin de vous, bye!